cours. Bon, on va, c'est la star. Bon, en tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur. Bah, d'ailleurs, c'est ma première vidéo sur Fortnite. Donc du coup, je vais vous apprendre un petit glitch XP. Parce que du coup, voilà, on n'est pas. Ouais, je joue sur manette. Voilà, vous allez sur cette map. Mais d'ailleurs, vous pouvez vous allez en entraînement. Et vous allez en entraînement et elle est juste ici. Donc c'est très facile à retrouver. On vous la mettez en favori parce que c'est un glitch XP qui rapporte vraiment beaucoup. Et vous prenez ici, vous mettez bien en partie privée et vous jouez. Alors vous allez comprendre que le glitch XP est AFK. Et on se retrouve directement. Mais en fait, non, on va pas faire. Mais du coup, en fait, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon PC quoi. Ça faisait trop longtemps et du coup, bah, pour faire une vidéo sur Fortnite, je me suis dit, vu que je suis déjà niveau 165, et donc on va passer 166 ensemble. Donc du coup, on arrive sur la map. Et on va d'abord lancer le jeu. Regardez tranquillement, vous allez dans vos paramètres. Il y a marqué lancer le jeu en gros, et tu lances le jeu. Et cette map peut rapporter jusqu'à 8 niveaux. Voilà. Par jour. Hein. Par jour. Donc du coup, go, on y va. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc en gros, voilà, vous spawnez ici. Donc vous prenez votre fusil d'assaut, votre Mark 7, votre PM mythique. Et vous allez à XP Shop. Et là, hop, vous allez. Et en fait, du coup, là, vous avez retourné à l'arène. Et vous, bon, ça, on oublie, ça, c'est que des arnaques, je vous le dis. Et en fait, là, tu peux avoir un sniper. Et du coup, donc là, il y a des pommes de terre qui te rapportent de l'XP. Ça rapporte de l'or. Mais du coup, et ça, le bouton AFK. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Chaque seconde, tu gagnes beaucoup. Enfin, assez pour que tu passes des levels. Et donc voilà, 12 XP par 12 XP. Ok. Vous allez me dire, ouais, mais c'est rien. Et tout, mais comment tu fais pour l'arrêter? Eh bien, c'est très bien. Vous allez ici. Et vous faites ça. Sur les ventes. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des pièces. Les pièces, en fait, elles vont vous permettre d'acheter un sniper qui va vous permettre de vous tuer. Quand vous en avez marre, vous pouvez vous tuer. Et là, je suis à 500 XP. En vrai, j'ai rien fait là. Parce qu'on aura bien fait une quête quotidienne. On aura fait une quête quotidienne. Au moins, genre, là, on a déjà fait une quête quotidienne. Hein. Presque. Là, on a la moitié d'une quête quotidienne. Alors, du coup, tu continues de farm tes trucs. Et en fait, en farm, alors, il y a des poulets à côté. Et en fait, les poulets, voilà, j'ai bientôt fait ma quête quotidienne. D'ailleurs, vous avez remarqué que je gagne plus. Regardez en haut. Là, je gagne plus. Donc, je suis à 1000 XP, 1100, 1118, 1143, 1157. Enfin, c'est vraiment pas mal. Alors, du coup, je vous dis, ce glitch XP, on dit souvent que les glitch XP, c'est juste des gros hacks et tout, mais en fait, non. Tu vas pas te faire ban overnight parce que tu fais des glitches. Moi, j'ai commencé à faire des glitches, donc dès que vous êtes à 500 gold, c'est parfait. Il y a une canne à pêche. Non. Eh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, en gros, vous allez acheter le snipe à la place de la canne à pêche. Et en fait, enfin, vous gardez une canne à pêche, hein, parce que ça peut être aussi pratique, je viens de découvrir ça. Et en fait, vous allez prendre les poules, là. Vous allez mettre des balles. Des balles. Des balles. Des balles. Et en fait, ça fait un carnage. Ça fait un carnage. Ah oui, ça se recharge automatiquement. Mais du coup, là, tu peux pas te tuer, mais c'est quand t'es dans l'arène que tu peux te tuer. Bah, n'hésitez pas. Vous vous mettez en bas comme ça, vous tirez 3 balles. Et ça va vous tuer, quoi. Comme ça, au moins, quand vous avez plus besoin d'XP. Bon, là, on a déjà fait une quête d'étape. Ce qui est pénible à faire. Et voilà. Donc, ici, là, on a des pommes de terre. Mais ne les faites pas, vous pourrez pas les faire. Parce que, du coup, en fait, votre. Vous avez déjà le bouton d'XP AFK. Et du coup, ça va être compliqué quoi. Donc dans 6 minutes, il y aura. En gros, vous activez pas votre bouton AFK. Et donc, vous tuez des poules, vous récupérez du métal.
Vous prenez les boutons et après que vous ayez récupéré tout ça, vous mettez le bouton AFK. Parce que du coup là je suis bientôt à 5000 XP. Les amis, c'est waouh. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais fait de glitch XP aussi. Enfin genre il y en a super, tu gagnes 15 000. Mais là lui il peut gagner 40 voire 50 000 très facilement en fait. Très facilement, mais vraiment très facilement, tu vois. C'est ça qui est bien. Alors du coup on va le fusil à pompe là c'est trop lent, tu vois, c'est pas rapide. C'est pas assez rapide. Je sais on va les poules là, on va les défoncer, mais non, on va pas les défoncer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un truc genre vous allez pouvoir en gros retourner à l'arène. Et là tu vois je suis à 5800. Vous voyez, je suis à 5800. J'ai pas envie de continuer. Genre là, j'arrive à 6000, c'est bon. Tu tires 1, tu tires 2, tu tires 3. Bon, en gros, il me restait 10 HP, quoi. Et là, je meurs. Mais du coup, regardez ma barre. Hop, plus 6000. C'est pas beau. 38 d'XP maintenant, je gagne. Est-ce que si je me retue... Est-ce que si je me retue, les amis, je gagnerai plus. Bon là 200 XP c'est rien du tout, mais... Et là je gagne 38 par 38. On se rappelle j'avais gagné 12 hein, au début. 12. Ah ça c'est le pompe sniper. Ah oui. Bon en gros vous allez aller dans là. Si vous voulez, alors vous dites à un mec, eh viens on va faire cette map, tout ça. Et vous allez ici. Et en fait, tu dis... Eh viens, on fait cette map, tout ça. Donc tu spams la petite étoile. Voilà. Ça t'amène dans une pièce. Et là, t'as des bombes. Bon, en gros, c'est des trucs pour te rendre invisible. Donc tu les prends. Et si vous avez envie de faire... De faire pénibler ton ami. Si t'as envie de trop lui faire... Genre là, tu peux pas attaquer, hein, mais tu peux pas attaquer. Mais genre ne les lâchez jamais, c'est très 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 puissant. Alors on va retourner dans notre truc AFK là. Mais si vous voulez, vous pouvez en gros retourner au lobby. Regarde, en gros, quand vous pourrez retourner au lobby. Et en fait quand vous allez retourner au lobby, oui je sais, je vais retourner au lobby avec ma souris. Parce que c'est après c'est trop compliqué. Donc en gros vous allez voir que les XP c'est pas ouf en vrai. Donc en fait je vais vous montrer parce que du coup comme ça on n'est pas on se met en partie privée, comme ça on n'est pas saoulé par les autres. Et en fait on va regardez. Bon on va repartir ici. Ouais je sais je suis qu'au niveau 166 et c'est la fin de saison mais alors on va continuer évidemment et on va faire en gros le glitch on va pas le faire le glitch, je vais vous montrer en récoltant du métal, en tuant les trucs, qu'est-ce que ça fait. Donc du coup vous allez dans vos paramètres. Ah bon en gros vous allez dans vos paramètres, vous faites ouais je sais je suis pas habile sur manette mais c'est pas grave. Donc vous allez sur votre map et du coup en fait vous allez avoir les pommes de terre tout ça à mettre donc à mettre à voilà. Donc là on a à spawn plus près. Vous savez quoi, regardez si on prend le minigun des Deltour. Voilà, à la place de ce truc là. Vous allez voir comment on va tuer rapidement les bots. Donc voilà, on arrive dans la map. On n'active pas le bouton XP. Non. On t'active pas. Non. Et là, on tue une pomme de terre, par exemple. Donc voilà, on tue la pomme de terre, tranquillement. Vous avez le code de map en haut à gauche. Voilà le code de map
si vous voulez faire les glitches. Bon, elle se fait martyriser la tomate. Voilà. On la tue. Ah oui, ça prend longtemps, hein. Donc 361 d'XP pour avoir tué. Bon alors une poule, je vous dis pas. Voilà quoi. La poule. Voilà. J'arrive pas à en tuer là. Ouais, j'ai. En fait, tu. Voilà, tu. Ton glitch et tout, il est pas. Et les bots, je crois, c'est juste tu gagnes de. Tu gagnes pas d'expérience avec les bots. Ah, si, tu gagnes un d'XP. Mais du coup, en vrai, c'est plus rentable de prendre juste ta petite canne à pêche et de pêcher du métal. Et en fait, quand tu pêches du métal, au bout de 10 métal, t'as un médium XP à gagner. Et du coup, bah, je vais tenter de vous montrer. Ah oui, ma canne à pêche, c'est une banane. C'est bizarre. 69 d'XP chaque fois que t'en pêches. Donc si t'as envie d'un bon spam XP, c'est pas mal. Donc là, on est à 4. On récupère. Hop, 6. Donc nous, ça va bientôt faire 10. Voilà. Donc du coup, ben on a accès au médium XP. Donc avec le métal. 700 XP. Donc le large XP, je peux vous dire que c'est pas des bêtises. Si vous me voyez ce que je veux dire. Ah, coucou toi. En gros, voilà, vous prenez votre minigun là et vous les spammez. Dès que t'as plus de balles, hop, tu fais ça. Tu prends ta scar, tu minigun un petit peu parce que du coup il est rechargé. Enfin, voilà quoi. Après, attends, dès que t'en as plus, tu fais hop, 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 hop. Et du coup, en fait, tu vas pas activer le bouton AFK parce que tu peux. Ça te rapporte déjà la masse d'XP, hein. D'accord. Enfin bon, là on est à 15 XP parce qu'on a tué 15 bots, mais genre si vous activez là ça, H bouton XP et ça c'est pas ouf quoi. Ça gagne 2000 XP, c'est pas ouf. Voilà, on va prendre le minigun et on va les. Wesh. Vous avez vu mon minigun? Vous avez vu, il est à l'envers. Wesh. Wesh. Ah ouais, c'est relou. Et je crois que ça fait ça aussi avec les fusils à pompe. Genre quand tu joues avec manette, n'importe quoi, ça fait aussi ça avec les fusils à pompe. Donc je vais vous montrer un petit peu là. Et on va activer le glitch avec AFK parce que. On va activer le glitch avec AFK. Hop. Et là, vous voyez, oh non, on gagne que 12 XP. Voilà. C'est waouh, on gagne que 12 XP. C'est tellement nul. Donc, du coup, on va spam les Y. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, hein, n'oubliez pas de mettre un méga like. Je vous fais confiance et vous voulez plus de vidéos. Et de vous abonner en mettant la cloche. Et si vous voulez avoir une dédicace, mettez-vous dans la vidéo. Bon, alors, en gros, on va prendre notre truc. Donc si tu veux avoir, si tu veux en gros, si tu veux avoir des dédicaces dans tes vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Non, pas ça. Donc du coup, en gros là, on est à 3. Wesh. Vous vous rappelez la dernière fois, là, on allait trop lentement. Attends, là, on a 3000 XP déjà. On
On est à 3000 XP? 5000. Et là, 18 par 18 du coup. Là, on est déjà à 100. Tu vois, bon, en attendant, moi, je fais quelques 90, tu vois. Ouais, je sais, je suis éclaté au 90. Voilà. C'est ça, c'est moi qui fais un 90. Ah, tu vois, c'est... Je sais pas très bien faire mes 90 hein, en ce moment. Voilà. Voilà quoi, c'est pas ouf. Genre là, dès que tu commences, tu mets une, deux balles. Aïe! En gros, vous faites ça et vous pêchez! Ah, ça fait pas de dégâts. Ah ben voilà! Voilà pourquoi je fais plus mes 90. C'est trop... Je suis trop éclaté au 90. Aïe aïe aïe. Ah mais il y en a un là encore! Ouais mais après c'est difficile à edit sur manette. Je sais pas si vous avez remarqué que c'est difficile à edit. Ça m'énerve! Voilà, j'ai encore des progrès à faire quoi. Oula, je suis déjà à 2000 XP gagné. Donc vraiment continuez à faire ce glitch. Ça, ben, ça me fait plaisir hein, de fait de vous donner des glitch XP. Ah voilà, ben, du coup voilà, c'est la fin pour moi. Et puis on retourne au lobby et on va se dire à bientôt les gens. Et en tout cas, si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros like qui pointe vers le ciel en bleu. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. J'espère que t'as passé une bonne journée. C'était la star.